Malik Sidibe forma parte del Olimpo de los mejores fotógrafos del mundo. Narrador indiscutible del fomento cultural de Mali, después de que el país se independizó de Francia en 1960, Sidibe se ganó el título de fotógrafo más importante de su país y de todo África. A lo largo de su extensa carrera, ganó premios muy prestigiosos como el Hasselblad 2003, el León de Oro a su trayectoria en la Bienal de Venecia, el único africano que lo ganó, y el World Press Photo en 2010. Igualmente importantes son los espacios donde se exhibieron sus imágenes, como la Galería Jacques Shaiman de Nueva York y la Fundación Cartier de París. Voilà les appareils auxquels Malik a travaillé depuis 1950. Donc, le premier appareil qu'il a travaillé, c'est ça, le Brownie Flash. Voilà, c'est son premier appareil comme ça qu'il a travaillé. Murió en 2016 a los 80 años, pero su estudio inaugurado en 1962 sigue estando allí, en la puerta 508 del barrio Bagadaji de Bamako. Desde hace más de 10 años, lo dirige uno de sus 17 hijos, Abdul Karim. C'est moi qui m'occupais du studio. Lui, il est là en tant qu'assistant et essaye de voir mes erreurs. Donc, il m'a donné ma responsabilité en 2006. Aujourd'hui, tu vas commencer à faire tes prises de vue et tu rentres au labo faire tes propres tirages. Comme ça, maintenant, je me rappelle de cette date-là, il m'a donné ma responsabilité. Avant de quitter, tout le monde considérait que son service, son atelier, c'était sa famille. Malik ne connaissait pas maintenant des jours fériés. 365 jours dans l'année, Malik, il est tout le temps au service. Mais l'esprit de Malik, maintenant, c'est notre base de démarrage. Et quand on vient, par exemple, pour se faire des photos, je leur pose la question, quel genre d'image ils veulent, le noir et blanc ou l'encouleur. Il y a d'autres qui disent maintenant, ils veulent l'esprit de Malik. Una de las principales fuentes de ingreso son las impresiones de los negativos originales, los pocos que quedan en la familia Sidibe. La gran parte del archivo fue comprada por coleccionistas privados o fundaciones. Los precios siguen siendo económicos, teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor fotógrafo africano de todos los tiempos. $45 por una impresión de 10 por 15 centímetros, $90 por una de 15 por 20, $180 por una de 32 por 47 centímetros. Un retrato en blanco y negro en formato medio hecho por Abdul Karim cuesta $45. Les gens disent que est-ce que vraiment c'est il a l'air d'un messie sur la terre. Il participe à tous les problèmes de sa société. Et il était vraiment aimé par tout le monde en conséquence. Il était aimé par tout le monde. Donc chaque fête, chaque baptême, mariage, il était sollicité par tous. Son arme de guerre, c'était l'appareil photo, pouvoir maintenant archiver tout le monde, sans exception. Et c'était son idée. Ne fait pas aujourd'hui, c'était son idée quoi, de pousser ceux qui sont en bas en les amenant en haut. Voilà. Ah oui, toute une génération qui est là. Ouais. Et non, vraiment. Malik.